Herta Pascal Trouillot, première femme avocate, première femme juge et première femme présidente d'Haïti, a surmonté de nombreux obstacles. Elle a brisé toutes les barrières, gravi tous les échelons et en 1990 a pris les rênes de la nation pour organiser des élections historiques. Mais au lieu de la gloire et de la reconnaissance, elle a été confrontée à une terrible persécution politique. Une nuit fatidique, trois hommes armés ont fait irruption chez elle avec pour mission l'assassiner. Et après l'accession au pouvoir de Jean-Bertrand Aristide, l'homme qu'elle avait aidé à faire élire, Herta Pascal Trouillot sera jetée sans ménagement dans les geôles du pénitencier national. Pourquoi un tel acharnement contre une femme qui a pourtant servi son pays? Quelle machination se cachait derrière cette animosité sans borne? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dressons un bref portrait d'Herta Pascal Trouillot. Herta Pascal Trouillot est née à Pétionville en 1943 au sein d'une famille de 9 enfants. Après sa scolarité, elle intègre l'école privée de droit des Gonaïves. En 1970, elle devient la première étudiante en droit en Haïti à avoir soutenu un mémoire de licence. Le titre de son mémoire est évocateur, statut juridique de l'haïtienne dans la législation sociale. C'était comme un programme parce que le parcours d'Herta Pascal Trouillot va révolutionner le statut des femmes en Haïti. Après l'obtention de son diplôme, elle ouvre un cabinet d'avocat à la rue des Miracles en s'associant avec d'autres jeunes juristes, dont Ernest Trouillot qui deviendra son mari. Là aussi, c'était la première fois qu'une femme avocate ouvre un cabinet en Haïti. Et elle fut aussi la première avocate à être membre du Conseil de l'Ordre des Avocats. Herta Pascal Trouillot est aussi l'auteur de nombreux ouvrages et études juridiques. Elle a aussi publié une encyclopédie biographique d'Haïti en plusieurs tomes, une œuvre construite sur plusieurs décennies. À la suite d'un séjour aux États-Unis, elle a publié en 1981 « Au Grand Boulevard de la Liberté », un ouvrage sur la société américaine. Le 25 janvier 1979, elle est nommée juge au tribunal civil de Port-au-Prince et là encore, c'est la première fois qu'une femme accède à ce poste en Haïti. À l'époque, c'était une avancée énorme dans le combat pour le droit des femmes en Haïti. En 1986, Herta Pascal Trouillot devient juge à la Cour de cassation. C'est la consécration et il ne lui reste qu'une marche à gravir pour rentrer définitivement dans l'histoire d'Haïti. Et ce sera fait le 13 mars 1990. Je vais y revenir tout à l'heure. Pour l'instant, rappelons tout de même qu'Herta Pascal Trouillot cumule un certain nombre de records. Première femme à avoir rédigé un mémoire de licence, une licence de droit. Première femme avocate membre du Conseil de l'Ordre des Avocats. Première femme juge. Première femme présidente d'Haïti. Première femme auteur d'une encyclopédie biographique d'Haïti, etc. Il y en a d'autres de première fois pour Madame Trouillot, mais je ne vais pas toutes les citer ici. Ce n'est pas l'objet, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Maintenant, abordons la question de l'arrivée au pouvoir de Madame Trouillot et de l'animosité de Jean-Bertrand Aristide à son égard. Comment est-elle arrivée au pouvoir? Le 10 mars 1990, le général Prosper Avril est contraint de quitter le pouvoir qu'il détenait depuis 1988. Après son départ, un autre général, en l'occurrence Érard Abraham, devient de fait le nouveau dirigeant du pays. Celui-ci engage alors des négociations avec l'Assemblée de concertation qui regroupe plusieurs partis politiques. L'objectif était de remettre le pouvoir à une autorité civile dirigée par une personnalité indépendante. Après plusieurs tractations, on fait le choix de la juge Herta Pascal Trouillot. Donc c'est ainsi que, effectivement, j'ai été propulsé président de la République d'Haïti et chef de gouvernement parce que je n'avais pas de premier ministre, je n'avais rien. Donc c'est moi qui menais la barque en tout sens, n'est-ce pas? Mais j'avais un mandat très limité et accomplir, réaliser des élections. J'ai réalisé les premières élections libres, honnêtes et démocratiques du pays dans des conditions très, très difficiles. Parce que vous savez, Haïti, c'est dans le sang qu'on règne pas mal de choses.
Heureusement que j'ai eu les mains propres. Le 13 mars 1990, elle prête serment comme présidente provisoire d'Haïti. Mais pendant sa présidence, les conseillers d'État qui étaient censés l'accompagner dans sa mission vont tenter de la manipuler pour leur propre intérêt. Mais elle ne va pas se laisser faire. Leslie François Maniga, qui était en exil à ce moment-là, quand il a appris que c'est Erta Pascal Trouillot qui était au pouvoir, voulait à tout prix revenir au pays en président de la République avec l'objectif d'écarter celle qui occupe la fonction. Et là aussi, elle a tenu bon. Il y avait ensuite M. Maniga qui voulait revenir parce que c'est une femme qui est au pouvoir, il veut reprendre la place. Parce que c'est facile d'esquiver, d'embouter une femme. Une femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Et Maniga avait été éclipsé de son pouvoir. Il veut revenir pour reprendre le siège. Éclipsé, alors je lui ai dit que. Il a été voir, il a été au Venezuela pour dire à son parti, n'est-ce pas, que Madame est ici, Madame est là, Madame ne veut pas qu'il rentre parce qu'il voulait rentrer comme président de la République. Je lui ai dit que maintenant, vous pouvez venir en Haïti comme candidat à la présidence ou comme simple citoyen, parce que j'avais tendu le rameau d'olivier à tous les exilés, etc. En plus des intimidations qu'elle a subies, Madame Trouillot a fait face à une tentative d'assassinat alors qu'elle était présidente de la République. En 1990, seulement quelques mois après sa prise de fonction à la tête du pays, trois hommes armés ont pénétré chez elle à Crissois à 3 h du matin pour l'assassiner. Erta Pascal Trouillot nous a raconté que malgré la présence de son service de sécurité, les mercenaires ont réussi à pénétrer dans son bureau où elle travaillait. Quand elle voit arriver ces hommes armés, elle est surprise par leur présence, mais elle a tout de même gardé son sang-froid. Elle les a reçus convenablement et leur a proposé de prendre le petit déjeuner avec elle, ce qu'ils ont accepté. Pendant le repas, l'un d'entre eux demande à la présidente est-ce qu'elle va réellement réaliser les élections? Ce à quoi elle répond oui, puisque c'était sa mission première. Après cela, ils lui ont avoué qu'ils étaient venus la tuer, mais qu'ils ont subitement changé d'avis face à l'accueil bienveillant qu'elle leur a réservé. Vous nous avez reçus comme une mère, disaient les mercenaires à la présidente. Après cela, les trois hommes décident de partir, mais avant cela, ils veulent avoir un souvenir de la présidente. Erta Pascal Trouillot leur propose une photo d'elle avec une dédicace pour chacun d'entre eux. Et afin de leur rédiger la dédicace, elle leur demande leur nom. Et c'est là qu'elle va faire une grande découverte. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, comment vous appelez-vous? Il y a un qui m'a dit, Grenzone. J'ai dit, waouh, comment je vais écrire ça, Grenzone? Donnez-moi votre bon nom. Non, c'est mon nom de combat. J'ai écrit à Monsieur Grenzone patriotiquement. La deuxième personne, je m'appelle Ronald Kadav, une affaire comme ça. J'ai mis tout ça, j'ai signé, j'ai donné. L'autre m'a dit, je suis ami au métier. Donc j'ai écrit, j'ai dit patriotiquement et puis j'ai donné les photos. Vous avez compris qui les envoyait. Les gens m'ont dit qu'ils faisaient partie de la balasse. C'était des gens envoyés par Jean-Bertrand Aristide. Semble-t-il. Les trois hommes payés pour assassiner la présidente sont des membres connus du parti Lavalas, particulièrement Ronald Kadav et Amio Métayer, deux puissants chefs d'organisation populaire Lavalas, le parti de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Après cela, les trois hommes quittent les lieux en assurant à la présidente qu'ils seront désormais ses protecteurs. Mais à ce stade, la présidente ne sait pas encore qu'elle était dans le collimateur de Jean-Bertrand Aristide. Ces hommes, qui disaient avoir reçu la mission de l'assassiner, étaient sans doute venus s'assurer qu'elle allait bien organiser les élections et qu'elle ne comptait pas garder le pouvoir. Quelques mois plus tard, le 16 décembre 1990, Erta Pascal Trouillot a effectivement organisé les élections conformément à la mission qui lui a été confiée. C'était là encore un record parce qu'elle a organisé les premières élections présidentielles et législatives libres et démocratiques de l'histoire d'Haïti.
et le père Jean-Bertrand Aristide a remporté triomphalement ces élections. Mais ce dernier, malgré cette preuve d'honnêteté de la part de la présidente, parce qu'elle aurait pu magouiller pour rester au pouvoir, reste encore très méfiant et très soupçonneux envers Pascal Trouillot. Et cela ira très loin. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais pour l'instant, arrêtons-nous un peu sur la tentative de coup d'État dont a été victime Erta Pascal Trouillot. Un jour, alors qu'elle est chez elle, en famille, des hommes lourdement armés ont pénétré à son domicile à Crissois. J'entends des coups de feu au dehors, des coups de feu, des histoires terribles que je n'ai jamais entendues avant. Mais je ne savais pas que c'était un coup d'État, que l'armée avait réalisé, une partie de l'armée avait réalisé avec M. Lafontan. Je ne le savais pas. Et puis alors, quelqu'un a dit, alors ça c'est un créole, elle t'a descendu, sous pas descendre, m'a crasé toute sa cancaille. C'est la bonne qui est venue me dire, gon machine qui rentre dans la cour, hein, mais c'était un tanker, et m'a crasé toute sa cancaille. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai appelé M. Abraham, et en trois numéros, pas de réponse. Silence complet. J'ai appelé le chef de la garde du palais, M. Dardompré. Pas de réponse, pas du tout. J'ai appelé un peu partout, pas de militaire, pas du tout. On m'avait livré pratiquement à la boucherie. Et les gardes qui gardaient ma maison se sont enfuis derrière la maison. Je les ai vus à travers la fenêtre, traverser les murs. Je courais parce qu'on m'a dit que c'était une unité qu'on avait remplacée. La veille. Ce que vient de décrire Erta Pascal Trouillot ne vous rappelle-t-il pas quelque chose, un événement presque similaire concernant un autre président qui, lui, a été assassiné? Eh bien, ça rappelle le mode opératoire de l'assassinat de Jovenel Moïse qui a été livré à ses assassins. Ses gardes ne lui ont pas défendu, tout comme Madame Trouillot. Jovenel Moïse a appelé le chef de la police qui n'a pas répondu, tout comme Erta Pascal Trouillot avait appelé le général Abraham qui n'a pas répondu. L'histoire se répète. Mais heureusement pour elle, elle ne connaîtra pas le même sort que Jovenel Moïse 30 ans plus tard. Fermons la parenthèse. Donc, des hommes armés ont pénétré chez elle et ont exigé qu'elle les accompagne. Et c'est à ce moment-là que son frère, Alix Pascal, musicien talentueux, connu sous le nom de Tite Pascal, arrive à la maison en ignorant ce qui s'y passait. Il faut rappeler que Tite Pascal est paraplégique, il se déplace en fauteuil roulant. Sous Duvalier, des tontons Macoutes lui ont tiré une balle dans le dos alors qu'il était encore adolescent. Depuis lors, il est resté handicapé. Donc, à son arrivée chez sa sœur, accompagné du chauffeur qui le conduisait, les hommes de Lafontan l'ont attrapé et lui ont collé une arme à la tempe en criant en direction de Madame Trouillot qui s'était mise à l'abri dans une autre pièce que si elle n'accepte pas de se livrer, on allait exécuter son frère. Elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter les exigences de ces hommes armés qui l'ont enlevé et conduit au palais national. Une fois arrivée au palais, Roger Lafontan lui fera lire sous la menace d'un revolver pointé sur elle une lettre de démission. Mais bientôt, Roger Lafontan et ses hommes seront arrêtés et Madame Trouillot sera rétablie dans ses fonctions. L'histoire de ce coup d'État raté, je l'ai déjà raconté en détail dans une autre émission entièrement consacrée à Roger Lafontan. Je vous mets le lien en description si cela vous intéresse. Maintenant, abordons le sujet principal de cette vidéo, à savoir pourquoi Jean-Bertrand Aristide en voulait tant à celle qui lui avait permis d'accéder au pouvoir. Fait assez curieux, à l'investiture d'Aristide comme président de la République, on n'a pas prévu de place dans le protocole pour la présidente sortante alors qu'il doit y avoir une passation de pouvoir. Madame Trouillot ne trouvait pas de siège pour s'asseoir pendant la cérémonie. Le nouveau président voulait manifestement humilier son prédécesseur. Écoutez, on ne m'avait pas laissé de place à l'investiture que je faisais. Et c'est un étranger, un diplomate étranger, qui s'est levé pour me donner, pour me céder sa place. Et en me disant, Madame le Président, chez nous, vous auriez été reine. Et le comble dans tout ça,
Le même jour de cette investiture, Madame Trouillot a reçu une lettre du commissaire du gouvernement, une lettre aux accents menaçants lui interdisant de quitter le pays. À partir de ce moment-là, elle va être placée en résidence surveillée. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche au juste? Il faut savoir que l'animosité d'Aristide contre Erta Pascale Trouillot remonte au moment où elle a été désignée pour être présidente provisoire. À ce moment-là, Aristide voulait être désigné président provisoire. Il n'était pas le seul. D'autres prétendants se battaient pour le poste. Et pour éviter au pays de plonger dans une crise interminable, les membres de l'Assemblée de concertation avaient finalement opté pour la solution de la Cour de cassation. Elle a donc été désignée et Aristide, semble-t-il, n'était pas content. Il voulait le poste, mais ne savait pas encore qu'il lui était destiné. Aristide allait être élu président après les élections, donc ce n'était pas la peine de se battre pour un poste de président provisoire. Mais ça, il ne le savait pas encore. Donc l'animosité de l'ancien prêtre contre celle qui a été désignée à sa place commence à cette période-là. Pendant la présidence de Madame Trouillot, Aristide reste sur ses gardes en cultivant une suspicion injustifiée à l'égard de celle qui a organisé des élections qui lui ont permis d'accéder au pouvoir. Après les élections, Aristide va jusqu'à imaginer qu'Erta Pascale Trouillot est impliquée dans le coup d'État manqué de Roger Lafontaine, ce qui serait absurde puisqu'elle-même a été victime de ce coup d'État. Et c'est surtout à cause de cela qu'il en voudra terriblement à Madame Trouillot. C'est donc pour lui logique qu'une fois accédé au pouvoir, il commence à persécuter son prédécesseur. C'est ainsi qu'un beau matin, Erta Pascale Trouillot est convoquée par le commissaire du gouvernement et placée en détention au pénitencier national. Il m'a mise en prison. Écoutez, je vous raconte. Il m'a mise en prison, Aristide. J'ai fait de la prison sur Aristide. Donc, c'était dans le but d'Aristide, c'était de me tuer. Après une nuit de prison, les Américains ont fait pression sur Aristide pour qu'il la libère. Et c'est ainsi qu'elle a pu regagner sa maison, mais sera tout de même placée en résidence surveillée. Et les persécutions vont continuer de plus belle. Après la présidence, quand Aristide me tourmentait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a contre moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai fait du bien. Naturellement, je n'ai pas fait exprès. J'ai fait des élections libres, honnêtes et démocratiques qui ont servi sa cause. Bon, après cette période, j'ai mené ma vie normalement à Christ-Roi. Et Aristide avait fait couper mes vivres. Il fait couper de l'eau. Je n'avais pas d'eau. Je n'avais pas d'électricité. Et on mettait les ordures dans ma cour. Les ordures de tout le quartier ou d'ailleurs, on venait les déposer à la sortie de ma maison. Donc c'était pour m'embêter, pour m'ennuyer, je ne sais pas pourquoi. Que Aristide envoyait des personnes, des bandes de rara à partir de 2h, 3h du matin pour m'ennuyer et pour me dire Madame Lafontaine, Madame Akou, ta. Ils ont même cité le nom de ma maman, Madame Lafontaine, pour dire pauvre mère. Aujourd'hui, Erta Pascale Trouillot vit aux États-Unis avec sa famille. Elle a traversé avec courage cette période tumultueuse de la vie politique haïtienne et a laissé un héritage indélébile. Elle a organisé les élections historiques de 1991 qui ont permis à Jean-Bertrand Aristide d'accéder au pouvoir. Ce succès aurait dû renforcer son prestige et sa relation avec Aristide. Cependant, comme on vient de le voir, la réalité a été bien différente. Quoi qu'il en soit, les contributions de Madame Trouillot à la justice et à la démocratie en Haïti restent inestimables et son parcours inspire encore aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous aimez nos contenus, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire. Au revoir.